Vous voyez mon papa aussi en direct. Ouais, nous sommes à Manhattan. Yeah. Ici, c'est pas là-bas, là-bas, c'est pas ici. C'est pas ici. Voilà. Ici, c'est pas là-bas, ici, c'est pas ici. Bricou, Zima, papa. Dans tous les cas, je pense bien que. Je crois bien que un jour arrivera où notre pays aussi sera à cette dimension avec tous ces tours. Et j'y crois. Parce que l'Afrique a commencé à se réveiller. On a des présidents qui sont en train de faire l'effort de pouvoir nous mettre à niveau. Et voilà un peu ça quoi. Donc c'était juste une petite vidéo, comme beaucoup m'ont appelé par WhatsApp, me dit ah depuis que tu es arrivé, tu es à la maison. Voilà, donc les gens d'ici ont décidé de nous faire sortir un peu. Et puis voilà, puisque nous sommes venus, on a essayé un projet. Donc on est en train de faire quelque part les repérages de certains endroits où nous allons vraiment faire certains trucs. Voilà un peu ça. Je suis venu dans la ville de Gowu, à Manhattan. Nous sommes à Manhattan, dans la ville de Gowu. Gowu est où? Gowu est où? Je cherche mon vieux Gowu ici à Manhattan. En tout cas, il faut chercher Gowu, hein, parce que là, c'est lui qui nous a parlé de Manhattan. Nous sommes à Manhattan, il doit falloir qu'il vienne nous montrer toutes les rues de Manhattan. Ils vont dire non, est-ce qu'ils sont aux États-Unis même? Est-ce qu'ils sont partis là-bas? Ouais, ils m'ont donné le micro. Hein? Est-ce qu'ils sont là-bas? Voici ça. Voici ça. Vraiment, c'est intéressant et puis c'est très joli. Très, très, très joli. Ici, là, c'est pas là-bas. Là-bas, c'est pas ici. C'est très loin. Très, très loin. Très, très loin. Bon, par rapport au repérage là. Tu vois ces endroits-là, ouais. Voilà, tu vois, ouais. Tu as venu lundi la semaine prochaine, non? Ouais. Voilà, donc si tu arrives lundi, ouais, ici, là, on peut repérer des endroits, puis tu vas voir comment, tu vois, non? Merci. Voilà. On va faire des vrais repérages ici, voyez, ouais. Ici, ouais, ici c'est ici que tu avais dit, là, non? Ouais. 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 Voilà. Là-bas, c'est pas ici. C'est pas ici. Bon, ils ont mis son truc là. Yves Hidero, non? Eh. C'est un truc, c'est d'anciens panneaux comme ça qu'ils avaient. Ouais. De quoi, c'est devant? Voilà. Est-ce qu'ils ont rien? Faut leur demander si t'entends. Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, ok. Manager confirmé. Harrison.
Lui, c'est abonné d'or. Okay. On continue la balade. Voilà, vous voyez les taxis jaunes, quand vous voyez un peu, quand vous avez tous ces trucs là, voilà, c'est pas ailleurs, c'est aux États-Unis. Merci, on progresse. Bien, allons tout droit. Allons tout droit. Là, ils vont, on va voir, tu vois les... C'est ici qu'ils ont fait, exact. C'est pas sur le panneau qui est là. C'est ça, c'est ça. Voilà, voilà le panneau qui est là. Donc voilà un peu ça. C'était juste comme on est sorti se balader, c'était juste un petit direct pour saluer mes fans, mes abonnés et tous ceux qui me suivent. Vous dites que nous sommes là. Voilà, on est venu pour peut-être. J'ai dit peut-être qu'à partir de 26, 27, je vais vous dire ce que nous sommes venus faire. Je le dis toujours que il y a un proverbe qui a dit qu'on ne prend pas un pauvre, on lui donne. Musique d'aujourd'hui là, le show d'aujourd'hui là, c'est une affaire de réseau, une affaire de relations. On ne peut pas parler pour dénigrer quelqu'un, mais il y a des personnes, il y a des rappeurs qui parlent, il y a d'autres qui chantent avec leur voix, leur manière, mais chacun sa manière de s'exprimer en matière de musique. Managa, confirmé, fait sa musique, à sa façon, il fait du coupé décalé. Ceux qui pensent qu'ils peuvent l'aider, peuvent le soutenir, ils vont le soutenir. Et j'ai fait ma part. Et je sais dans quelles conditions j'ai pris le petit et je sais où je vais avec lui. Voilà. Beaucoup disent beaucoup de choses, mais moi, des trucs qui ne m'intéressent pas. Parce que moi, nous étant médium, notre droit c'est d'aider, de soutenir. Et à mon cabinet, on reçoit plein de personnes comme ça, qui sont dans certains, qui ont des rêves, qui sont remplis de rêves, mais qui n'arrivent pas à réaliser. Et qui ont des ambitions, qui n'arrivent pas à atteindre leurs ambitions. C'est mon rêve, mon travail, c'est de recevoir toutes ces personnes, chaque jour que Dieu fait. Donc, il a décidé de faire de la musique. Il a décidé aussi d'ajouter le mannequinat. Donc, je fais ce que je peux. Voilà. Ce que je pourrais faire beaucoup, le mettre à un certain niveau, c'est ce que j'ai décidé de faire et que je suis dessus. Mais, Molo Molo, pour le devient quelqu'un. Un peu, je pense qu'on va y arriver. En 2025, il sera au Canada. Inch'Allah, mais dans même 2025, ça sera une année où va beaucoup tourner. En 2025, je l'envoie au Canada. Dans même 2025, je vais l'envoyer en Angleterre. Et puis maintenant, ensemble, maintenant, on va réfléchir. Ce que la musique va lui apporter, ce que la musique est capable, où la musique est capable de l'amener. Voilà un peu ce que j'ai fait comme programme pour lui. Et moi, mon rêve, c'est de réaliser ses voeux, ses souhaits et ce qu'il a décidé. Je donne les informations. Nous, quoi, ça va? Ça va, David. Ah, mais toi tu parles français? Oui, effectivement. Ok, Dieu merci. Permettez-nous de vous donner les informations. Non, ça va. Il n'y a pas de problème. Vous ne voulez pas le faire aujourd'hui? Bon, comme on a déjà le flyer, oui. On va faire signe. D'accord. Merci beaucoup. On fait le tour. Voilà la voiture qui est là. Voilà ça. Tu vois, non? On monte dessus, les valeurs sont montés là. Ils vont faire le tour de la ville avec. Voilà. Et ils sont comme les managers. Voilà.
Donc, je crois bien que le projet que nous sommes venus réaliser ici, dans un peu de temps, vous allez voir les teasers sur sa page, ici ma page. Ce que nous sommes venus faire, vous allez avoir les informations. Mais dans tous les cas, quand ils quittent ici, on prévoit peut-être que vers la fin de l'année ou début de l'année prochaine, un concert par la culture. Quand je parle, les gens disent, il va aller chanter quoi? Mais Fior de Bio était un chanteur, non? Obama était un chanteur. Ils ont fait parler de la culture. Et il y a beaucoup d'autres artistes aussi qui ont fait parler de la culture. Et parler de la culture, ce n'est pas le seul artiste qui va chanter du commencement jusqu'à la fin. Même les grands artistes, ce n'est pas le seul qui compte jusqu'à la fin. Il doit des soutiens, il doit de la personne qui va venir chanter. Mais ce que j'aimerais vous dire, mon artiste m'en a déjà confirmé après de 8 titres. Et l'album va sortir bientôt, comme vous voulez le savoir. L'album est déjà prêt. Et ça va sortir très bientôt, de manière officielle. On va vous l'annoncer. C'est déjà prêt. L'album est déjà prêt. Et ça va sortir très bientôt. Bon, on a arrivé dans un coin vraiment où je vous ai oublié de couper le direct parce que on est arrivé dans un coin touristique où il y a trop de monde. Voilà, vous-même vous voyez un peu. Il y a tellement de monde. Il y a tellement de monde. Donc voilà. Donc voilà. On va se reprendre plus tard. Il y a tellement de monde, donc on va se reprendre plus tard. Donc merci à tous les fans. Voilà. On reste connecté. Le mieux reste à venir et au fur et à mesure, je vais vous partager l'information. Merci et merci.